26 janvier 2024. Nous-mêmes, responsables PESAP dans le département du Nord, nous prenons engagement nous, pour nous porter en solidarité avec le mouvement révolution qui a prôné dans le pays d'Haïti. Nous sommes tous conscients que Haïti méritait une révolution. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, en tant que peuple noir, libre et indépendant, comme peuple qui marquait l'histoire du monde, comme peuple qui aidait en pile mon bataille, nous vivons puis mal passé bête dans plein 21e siècle. Ça. Imaginez-vous, nous sommes en année 2024, Haïti n'a pas gagné l'électricité, Haïti n'a pas gagné route, Haïti n'a pas gagné de l'eau potable, Haïti n'a pas gagné agriculture à grande échelle, Haïti n'a pas gagné éducation, Haïti n'a pas gagné santé. Peuple a vu plus mal passé bête. Moi-même, en ma qualité de militaire, et pour tout le monde qui toujours suit les réseaux sociaux, moi relé la Rose Robin. Je suis militaire des forces armées d'Haïti. Je fais toute carrière dans le métier des armes. En plus, le monde qui a dirigé là, qu'on aime bien, il y a des spécialistes en matière de sécurité qui sont dans l'armée et qui sont dans la police. C'est même nous-mêmes qui sommes dans le BESAP aujourd'hui. Pour me tracer par nos ramas dans le BESAP, 11 septembre 2020, je recevrai une lettre nominative pour me diriger le BESAP dans le Nord et épurer comme ça, comparativement avec le premier dirigeant que le dégagne. Fait près de 2 ans, je dirige BESAP dans le Nord. Je viens subir une promotion par le directeur général, Jean-Tel Joseph, qui qualifie le travail que je fais et augmenter le travail moi, pour mon promotion comme coordonnateur. Je rentre par le prince pour être capable de coordonner BESAP de manière nationale. Et pendant que je prince, je viens de directeur départemental BESAP Nord-Est, pardon, qui mourit. Monsieur Nord-Est a déclaré, comparativement, je viens diriger le Nord, c'est moi qui vais diriger Nord-Est. Je suis rentré dans Nord-Est, je fais un travail d'épuration toujours. Chercher une harmonisation avec la police et toute autorité étatique, autorité civile dans le département. Il y a un cri d'alarme dans le département Sud-Est. Sud-Est qui vient en voie de disparition avec couverture végétale. Il y a besoin de monde qui est qualifié, qui est expérimenté pour élargir le BESAP dans le département Sud-Est. Le directeur général, moi, en la personne de Jean-Tel Joseph, fait choix de moi pour me diriger le BESAP dans le Sud-Est. Et il vient dans le Sud-Est en juin 2024, 2023, pardon. Je fais tout ça devant de moi. Épurer, monsieur qui est là déjà dans 3 communes, et étendre BESAP dans près de 7 communes dans le département Sud-Est. Mais faire une promotion avec 425 agents pour épapier agents, dispatcher pour faire le travail. Je dis pour l'opinion publique, BESAP c'est un outil de développement, de protection, de surveillance et de contrôle. BESAP c'est un outil de développement, de surveillance, de protection et de contrôle. BESAP n'est pas vraiment, j'ai à dire, seulement un outil politique. Bien que tout est politique, mais BESAP n'est pas un outil politique seulement. Ça avec grand étonnement, dans le passage dans le Nord, je suis venu faire un travail bien spécifique pour porter un démenti formel avec le gouvernement Ariel Henry, qui choisit de révoquer le directeur Jean-Tel Joseph pour position de débran pour ne pas retirer l'agent dans le canal là, Wanamet, dans le département Nord-Est. Et le directeur général, Jean-Tel Joseph, te dit, la souveraineté nationale n'est pas négociable. Le directeur te dit, si le gouvernement voulait job, il remettre prendre, mais lui, il n'y a pas de image paysan. Il n'y a pas de vendre conscience à l'étranger. Il n'y a pas d'accord avec Dominique qui voulait boucher le canal là, empêcher nous faire un seul canal. En ce sens, le gouvernement choisit de révoquer Jean-Tel Joseph. Mais nous, ça, sont blagues. Les jobs sont jouets. Ils ont besoin de prendre position pour le pays. Pas un sacrifice qui est trop grand pour nous faire pour Haïti. Mais on est encore plus grave. Hier, 25 janvier 2024, nous avons un individu, disons, mal intentionné, qui choisit de faire une déclaration pour dire que BESAP dans le Nord désolidarisé avec le sénateur Guy Philippe. Nous-mêmes, nous disons non. Pour qui ça? Parce que c'est le premier directeur qui est épuré quoi dans le Nord, avec camarade Saxe Pétion. Et nous dit, la vallée de Nom ne dépend pas de sa taille, ni de sa beauté physique. C'est un garçon qui est avec nous là. Je travaille, il lutte pour BESAP s'allier aujourd'hui. BESAP compte qui vient dans la sécurité du pays. Nous avons BESAP, nous avons la police, nous avons l'armée. Nous avons pris exemple pour tout le pays dans le monde là. Chaque institution étatique,
y a un ministre qui couvre. BESAP, le ministère de l'Environnement, l'armée, le ministère de Défense, la police, le ministère de la Justice. BESAP légal, même avec la police, même avec l'armée. C'est un arrêté que tu as créé BESAP. Et c'est un arrêté que mettait Jean-Pierre Joseph comme directeur général. Qui j'en ai un PM de facto, quand il a révoqué un directeur général. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons des solidarités avec tout le monde qui croit dans Nouvelle Haïti. Et nous disons Nouvelle Haïti a download. Moi-même, là, aux Aubin, qui a dirigé le département sud-est, je fais un déplacement, je traverse dans le nord. Nous venons faire un message pour nous bailler, un cri avec la nation. Faire un bagage symbolique avec 107 yo. Nous venons faire des plaintes pour Ariel Henry comme PM. Nous venons faire des plaintes pour France LB comme directeur de police. Qui a sale image dans cette nuit, qui a fait dans cette nuit crier, qui a plein de pieds Kenya pour aller chercher les Français étrangers pour venir diriger Haïti. Nous disons non, ce n'est pas pour ça des salines de Goumé, ce n'est pas pour ça des salines de bataille. Des salines de dit, force étrangère qui a venu dans le pays, viennent servir nous comme touristes, comme investisseurs, comme visiteurs, mais pas pour venir fouler sol ça. Et selon les grands pays, c'est une menace, les gars, fait haïtiens. Ils connaissent bien, ils n'ont pas de droit de fouler sur la militairement. Kenya a chargé problème. Ils ont eu Ebola, ils ont eu fièvre jaune, ils ont eu toutes sortes de maladies. Imaginez au ministère de l'Intérieur dans le pays, ils ont violé les jeunes garçons, ils ont violé les jeunes filles. Ils ont fait, bon, ils ont vulgarisé même. Les ministères ont fait massacrer avec les jeunes garçons. Ils ont fait nos bases de balai au camp, ils ont fait Gonaïve, ils ont fait Port-au-Prince, et ils ont eu une maladie choléra qui tue combien de monde. Qui vont prochain me dédommager. Vous n'avez pas cherché aux forces étrangères pour venir nous maladie encore. Ce n'est pas possible. Nous avons la police nationale d'Haïti qui formée. Nous avons les militaires qui formés. Nous avons M. BESAP Saroua. C'est combat tout avec nous. C'est les jeunes qui nous mettent formation. BESAP, c'est une institution qui recevra la formation militaire. Si M. veut faire pays, au moins, il a cherché trois entités Saroua. Car il y a chaque côte qui vient de façon ou l'autre pour payer la sécurité. Ce n'est pas possible pour demander aux forces étrangères pitié, pardon, niché Pierre. Le directeur général police déplacé au Kenya pour allemand de force revenir. C'est-à-dire comme ça qu'il a dépensé pour Kenya. Il a dépensé pour la police, il a dépensé pour l'armée, il a dépensé pour BESAP. Équipez monsieur pour servir la population. Monsieur traité de gang. Moi-même là-haut, ce n'est pas pour lâche. Je suis un intrépide. Un intrépide. Je vais flatter monsieur qui a fait gang. Monsieur qui a dérouté le camion. Monsieur qui a rançonné la population. Les salariés sont des frustrés. Si les gens travaillent, les gens lèvent leur travail, ils ont espace pour faire atelier de travail, ils ont une profession, ils n'ont pas d'avant d'entrer dans le volet. Les gens qui sont graves, le pire, c'est les gangs à veste, c'est les gars à cravate. Ils ont gagné la vente 8 000 dollars américains. Ils ont gagné 47 à vendre 4 000 dollars américains. Ils ont gagné 15 à vendre 3 500 dollars américains. Côté malheur à ça, partage une gomme pour acheter des armes. Je m'engage pour mon pays. Pas de sacrifice qui est trop grand pour le pays d'Haïti. Ce n'est pas possible. Non. Et nous dit non encore. Jean-Tay Joseph, quand on est là, au péril de notre vie, nous avons. Père Ariel Henry, ressaisis-vous. Ou pas qu'à révoquer un directeur général qui est un président nommé. Déjà, nous avons assassiné le président Jovenel lâchement. Ils ont entré la caille, un président en fonction. La caille, ils ont assassiné, ils ont crasé, ils ont maltraité. Monsieur, dame, quand le Jovenel vous subit ça, pas ça, sans ça. Je veux dire que vous flinguez les garçons, les gens prennent sur le crash et vous maltraitez parce qu'il a parlé pour le pays d'Haïti. Nous disons que c'est trop. Nous en pile et nous avons une stratégie. C'est nous militaires. Nous faisons génie de campagne, nous faisons tactique. C'est nous qui avons formé un trou de mine. Et je dit ça. En 2012, l'homme d'Abou Goumé pour le retour physique de la France armée d'Haïti, l'a monté 54. C'est moi là aux Aubin qui est dans tête mouvement ça avec 4 autres militaires. Après de tout le travail qui était fait déjà. Mais nous, en 2012, nous te mettons comme avant-gardistes pour nous batailler pour Haïti. Je dis la justice, c'était Paul Denis qui était la justice. Je dis attention, Pingal comprend la voie militaire étrangère, la voie la police vient nous avec nous-mêmes, qui a boumé pour le pays d'Haïti. Non, ce n'est pas possible. Mais je dis, nous avons une tentative qui a été faite. Côté que la police comprend, deux, trois grands policiers mal intentionnés comprennent qu'ils ont attaqué les militaires qui, et l'agent BESAP, qui en a même. Attaquer l'agent BESAP, c'est attaquer tout. Agent BESAP dans tout le pays. BESAP pour des pères. BESAP dans Nip. BESAP Grenance. BESAP dans le sud. BESAP sud-est. BESAP dans l'ouest. Léogane. BESAP
non, non, mais ça plateau c'est de la star au bas de la terre, mais ça branamit. Imaginez-vous, si nous devons les canages dans le pays, si nous devons des autres, nous avons fait son attire pour nous. Non! Et je dis sincèrement, Guy Philippe pas entré à Haïti pour faire guerre. Guy Philippe pas entré à Haïti pour venir tirer le monde. Guy Philippe pas entré à Haïti pour venir voir la police ni l'armée ni Bessap. Non! Guy Philippe rentré, lui mandé un chambardement total. Nous avons un système qui est un pays en otage. Le système qui crase le pays depuis plus de siècles. Nous avons crasé le pays. Malheureux pas qu'à l'école, ou pas qu'on le goût beau, ou pas qu'à jouer un sacré luxe dans le pays. Yes. On a vu nos pays qui sont riches et vierges. Haïti c'est une terre fertile. Haïti c'est une terre minière. Nous avons une mine dans le pays qui est capable de développer, exploiter ou occuper Haïti, même avec notre pays étranger. L'emne fait discours dans la graduation d'affaires, 25 novembre 2023, Jacques Mel. Nous avons dit que nous sommes capables de travailler pour nous occuper tête nous et nous occuper l'autre pays, même si nous avons fait déjà. Je dis policiers, attention. Nous sommes militaires. C'est nous qui tacticiens. C'est nous qui faisons génie de campagne. C'est nous qui étudions ça que nous la guérilla. La souhait des policiers ressaisir. Nous ne pas courir sous personne, mais nous ne pas courir pour personne. Nous ne pas courir sous personne, nous ne pas courir pour personne. Nous engageons nous pour patrie nous. Nous engageons nous pour pays nous. Au péril de notre vie, moi j'ai 8 petits comme militaires en attendant. Et nous connaissons militaires parfois plus petits. Même j'ai 8 toujours. Et moi engagé dans la bataille là. Si la hausse tombe, c'est pour continuer la bataille là. Faut Haïti libéré. Faut Haïti gagne l'électricité. Faut Haïti gagne l'eau potable. Faut Haïti gagne route. Faut Haïti gagne santé. Faut Haïti gagne éducation. Faut Haïti gagne agriculture à grande échelle. Et m'a dit, sous canaux à nous, je ne vais pas désarmer les gens qui ont ça. Je vais tirer les gens qui ont ça. Et nous ne sommes pas en guerre contre personne. Seulement, nous disons, j'entends Joseph Kotoye arrêter quelque calme. Sénateur Guy Philippe Kotoye arrêter quelque calme. Je vais déplacer, quitter le sud-est. Je vais venir dans le nord. Dans la pièce de 7 yo. Dans la pièce de 7 yo. Pour me porter un message. Pour diriger mal intentionné. Comprendre que je vais finir avec le pays d'Haïti. Non, non, non. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci beaucoup.